Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Un petit tour de magie très simple à réaliser, pas de grosses manipulations compliquées. Vous allez voir, c'est un tour de petit paquet. Vous savez comme j'adore les tours de petit paquet. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le proposer. Comme d'habitude, la démo. Et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description et également dans la section commentaires. Et sinon, pour les autres, je vous laisse juste pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo, et pour ce tour, on va avoir besoin de quelques cartes, le 4 de trèfle, le 3 de trèfle et l'as de trèfle. Vous allez voir ce qu'on va faire avec, tout simplement, donc uniquement les 4 cartes. Hein. On va tout simplement prendre la première carte, ici, donc l'as de trèfle, en première. Et regardez bien, l'as de trèfle, si on la place cette fois en deuxième position, juste comme ceci, et qu'on égalise les cartes, juste en faisant un petit geste magique, juste comme ceci, paf, on peut voir que l'as de trèfle remonte sur le dessus. C'est sympa, non hein? Vraiment, sans rien faire, ça marche tout seul. On continue, on va le refaire, regardez bien. Donc il nous reste bien 3 cartes en main. On prend la suivante. La suivante, le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle, regardez bien, de la même façon, cette fois, on va pas la mettre en deuxième, mais on va la mettre sous le paquet, entièrement en troisième position. Et pourtant, si on fait un geste magique juste comme ceci, et qu'on regarde, le 2 de trèfle remonte sur le dessus. C'est fort, hein? Sans rien faire, tout seul. On continue, allez, regardez bien. Il nous reste donc en main, hein, uniquement 2 cartes. Hein. Donc parmi ces deux, on a le 4 de trèfle et le 3 de trèfle. Regardez bien, ce qu'on va faire, on va laisser tout simplement le 3 de trèfle face en bas et garder le 4 de trèfle face en l'air. Et pourtant, regardez bien, si je fais ce petit geste et que je frotte dessus, le 3 de trèfle revient face en l'air, à vue instantanément. Pour la dernière, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas vraiment en fait, de carte au final, j'ai qu'une seule carte en main, on va faire complètement différemment. Regardez, on va tout simplement prendre la carte, la laisser sur la table. On prend la main, on frotte la carte sur le tapis rouge comme ceci, et pourtant maintenant si on regarde, la carte change complètement de couleur car elle devient toute rouge, et ça c'est un vrai miracle. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura donné envie d'en savoir plus sur ce tour. Comme d'habitude, pour les explications, c'est dans la description et également dans les commentaires. Vous verrez, c'est très facile à faire, il n'y a vraiment pas de grosses manipulations à connaître, aucun comptage compliqué. C'est toujours bon à savoir, un petit tour avec quelques cartes, avec le petit final à la fin où la carte change de couleur. Je trouve ça assez sympa à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Et aussi les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie 100% gratuite sur www.magistreaming.fr pour apprendre tout ce qui est base en cartomagie ou en magie de pièces. Le tout est accompagné de tours expliqués pour mettre en pratique justement les techniques que vous allez apprendre au fur et à mesure. Et ceux qui voudraient me soutenir, vous avez également la section VOD où vous retrouverez des DVD, des vidéos de tours plus élaborées en passant par la création de gimmicks. Bref, tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!